On t'entend pas assez, puis même tantôt, il fallait que je le convainque un peu. Il dit, c'est intéressant, mais c'est tellement intéressant ton travail, puis on connaît moins ça. Non, c'est vrai, mais moi, je suis tellement tout seul dans mon studio à travailler que j'ai pas l'impression que c'est si intéressant que ça. Le résultat, on espère qu'il, lui, va être intéressant, mais le chemin pour s'y rendre, des fois, je me pose toujours la question. Regarde, là, on va ouvrir grandes les portes de ton studio et on a un accès privilégié. Je veux tout d'abord qu'on se rappelle, bien, que vous, vous nous rappeliez les débuts ensemble, la première rencontre quand vous deviez trouver le style musical de Marie-Mé. Comment ça s'est fait? Bien, en fait, je pense qu'ils sont venus me voir à la lumière du travail que j'avais fait déjà avec d'autres chanteuses de son âge, dont Gabrielle Tremaison, oui. André Waters. Puis ils savaient que je m'entendais bien avec les filles, puis que j'étais capable. Ah ouais! Non, mais c'est ça. En fait, ce travail-là, moi, c'est ce que je préfère vraiment. Oui. Travailler avec un artiste qui n'a pas encore de disque, parce que c'est un canevas vide, une page blanche, comme on dit. Puis on peut vraiment, vraiment aller creuser, puis t'écoutes de la musique avec l'artiste. Parce que souvent, les artistes, surtout les jeunes, ils savent même pas eux-mêmes qu'est-ce qu'ils ont envie de chanter. Ils ont trop d'influence. Ils savent pas. T'sais, ils sont habitués de chanter les chansons des autres. Fait que ça commence par écouter de la musique avec eux, puis aller chercher vraiment, regarder leur réaction quand tu écoutes la musique, puis voir qu'est-ce qui les fait vibrer. Puis souvent, c'est de prendre une guitare, puis d'essayer des choses. Puis je me souviens, la première fois qu'on s'est rencontrés, on cliquait sur les mêmes affaires. On avait vraiment les mêmes styles musicaux. Copie conforme. À quelques détails près, puis je pense qu'en bout de ligne, c'est ça qui fait qu'on s'apporte beaucoup. C'est que moi, j'ai grandi avec peut-être des sonorités un peu plus électro, R&B. Je tripais sur... j'ai grandi avec Brandy, Monica, oui. Tout ça. Tout en écoutant aussi du Blink, One Eighty Two, puis la vague punk rock des années 90. Puis lui, il apportait les grosses guitares parce qu'il a grandi dans les années 80. Fait que ça fait vraiment un beau mélange de nos influences. Et assez rapidement, donc, le consensus s'est fait, le son Marie-Mé a été trouvé? Ça a été instantané, en fait. On s'est rencontrés, je pense, c'était un lundi. Oh, on écoutait de la musique. Bien. Non, mais. Puis on écoutait de la musique, on a rencontré, bon, avec les gens de la compagnie de disques, oui. Anne Vivien, qui, elle, avec qui j'avais déjà travaillé. Du côté de Musicart. Ouais, oui, exactement. Et puis, je pense que dès le lendemain ou une journée ou deux après, on est entré en studio, on a fait 4 chansons en 5 jours. Hey, c'est fou. Pour le premier album. Puis c'était un peu comme. Des sessions test, à savoir si ça allait bien se passer, puis si le résultat allait être à la hauteur de l'attente de tout le monde. Puis finalement, écoute, tout le monde était emballé, puis on a parti à machine. Puis c'est drôle parce qu'au départ, je voulais pas tant que ça montrer les chansons que j'écrivais. Je n'étais pas prête, puis c'est toi qui m'as vraiment dit comme « go, 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 là, on en part une de zéro, puis on voit ce que ça donne. Puis... » Ouais, en fait, au départ, j'étais même pas au courant que Marie-Mé écrivait. Puis après, une couple de jours, elle m'a dit « Ah, il faudrait que je te fasse entendre mes tunes. » Puis à un moment donné, il m'est arrivé avec un CD, je pense qu'il y en avait 14 dessus. C'est une belle surprise pour un réalisateur, ben oui, ça. C'est sûr, parce que, je veux dire, le travail d'un réalisateur, c'est d'être capable de représenter l'artiste à son meilleur. Mm-hmm. Et puis, plus l'artiste s'implique au niveau de la composition, bien plus c'est facile, parce qu'il n'y a rien de plus vrai qu'une chanson qui a été écrite par l'artiste lui-même. Tout à fait. Fait que ça a été cool. On a utilisé quelques-unes des chansons qu'il y avait déjà sur cette maquette-là, dont Encore une nuit. Oui. Et puis, qui a été, je pense, le plus gros succès sur cet album-là. Puis dès qu'on a commencé l'écriture pour le deuxième album, là, j'ai dit, là, il n'y a pas de... Je vais écrire des chansons de mon bord. On écrit toutes à deux. Puis je pense que c'est ça. Puis j'avais fait la même chose avec André Waters à l'époque. Ça avait fonctionné. Bien, quand j'ai commencé à travailler avec André, elle n'avait jamais écrit, mais il faut dire qu'elle était encore plus jeune que Marie-Mé. Je pense qu'elle avait 16 ou 17 ans qu'on a commencé à travailler ensemble. Puis c'est après que j'ai vraiment fait l'effort de la pousser à s'impliquer créativement qu'elle s'est découvert un talent d'auteur incroyable. Donc, la communion s'est faite. Donc, après le succès de Marie-Mé, il y a d'autres artistes qui ont eu le flash de t'appeler, évidemment. Ils ont dit « Fred Saint-Gelais a du talent ». Marc Dupré, tu as travaillé beaucoup avec lui et tu continues de le faire. Oui, Marc Dupré, en fait, ça remonte même au temps de son premier album. Ah oui! Ça n'avait pas été possible pour moi de faire son premier album, mais il m'avait approché pour ça. Puis même pour le deuxième album, moi, j'avais entendu son premier album, puis je m'étais dit « Pourquoi j'ai pas trouvé le temps? » J'avais trouvé ça incroyable. Fait que j'ai dit, pour le prochain album, si tout fonctionne, on va le faire. Finalement, ça n'avait pas fonctionné non plus. J'étais en plein processus d'enregistrement pour le deuxième album de Marie-Mé. Mais on a pu faire une chanson ensemble. Au moins. Qui est « Si pour te plaire », dont Marie-Mé a écrit le texte d'ailleurs. Et qui a très bien fonctionné à la radio. Bon, c'est ça qui a mis la table pour notre collaboration sur son troisième album. Et ça a mis la table pour autre chose aussi. Extrait, s'il vous plaît. Salut Fred! Ça va bien? Hey, ça va bien toi? Ben oui, certains, on était impatients d'entendre tes commentaires là. On se disait, d'un coup qu'elle nous détruit. Puis moi, c'est sûr que j'ai des petits commentaires, mais c'est,
C'est rien, là. C'est juste comme des suggestions. T'as-tu le temps dans la mélodie de rentrer « et » comme genre « On m'a volé ton sourire au fond de mon cœur et tout notre avenir repose sous des fleurs. » Donc, extrait de l'émission spéciale des nouvelles de Céline où on voit que Céline elle connaissait son affaire. Elle avait vraiment des demandes spécifiques, des modifications à faire. Pour un réalisateur comme toi, la plus grande chanteuse du monde qui est au bout du fil, qui te dit ça, comment t'as vécu ça? Bien, moi, je suis habitué à ça. Je suis aussi habitué à l'envers de la médaille. Des fois, t'écris une chanson, tu la proposes à un artiste, ça ne veut pas dire que c'est toi qui vas le réaliser. Mm-hmm. Mais t'espères que le réalisateur va être capable de rendre la chanson pour que tu sois encore content de la chanson que tu as écrite. C'est important. Fait que là, j'étais dans les souliers inverses. Il fallait que je réussisse à rendre la chanson pour non seulement que l'artiste soit confortable avec, mais aussi pour que la personne qui l'a écrite en soit encore fière. Puis là, c'est Céline Dion, tu sais. Hey, moi, j'étais-tu fière de mon chat? Ben, je sais pas. C'est hallucinant. Hallucinant. Je regarde ces images-là, là, puis j'en reviens pas du travail qu'il a fait dans les dernières années, puis de sa variété aussi, tu sais. Il fait des albums pop électro avec moi. Il fait du folk, Brit pop avec Marc. Il fait des chansons à grand déploiement avec Céline. C'est comme, aïe, aïe. D'autant plus que toi, tu souhaites composer pour Céline. Donc, il y aurait peut-être un travail commun, conjoint, qui pourrait se faire. Ah oui, plug-moi. Bien, on espère. Je veux dire, cette collaboration-là, c'était un premier approche. Je ne sais pas si ça va débloquer sur autre chose. Mais moi, on fait confiance à la vie. Puis, on se laisse porter. Ouais. Qui voit le plus grand dans le couple? Ça dépend des mois, ça dépend des périodes. C'est vrai, moi. Ouais, de la période dans le mois. Ah, il y a ça aussi. OK, j'aime ça. Il y a vraiment des confidences ce matin sur le plateau. Bien, en fait, ça dépend. Je veux dire, moi, typiquement, j'essaie de ramener ça sérieux. Ça marche pas pour moi. Peine perdue, Fred. Bien, typiquement, moi, là, quand je finis un projet, je m'investis tellement corps et âme qu'après ça, je vais avoir un mois ou deux là, où je ne veux plus rien savoir, pas en tout. Puis souvent, ça va être elle qui va. Qui va me ramener à la vie et vice-versa. Tu sais, quand elle termine une tournée, parce que une tournée, c'est physiquement très demandant pour elle, surtout de la façon dont elle donne ses spectacles. Dans ce temps-là, c'est moi qui mène la barque un peu plus puis qui donne le petit boost nécessaire. Je pense qu'on s'apporte vraiment à ce niveau-là. Il n'y a pas un qui est typiquement un peu plus paresseux, puis l'autre qui est typiquement... C'est vraiment à alternance. On a besoin de ça, dans la vie, de se faire donner un petit coup de pouce des fois, puis un petit coup de pied dans le derrière. Ce sera, j'imagine, la recette d'un mariage heureux aussi, à venir éventuellement. Il nous reste 30 secondes. Le rêve ultime, professionnellement, c'est quoi? C'est sûr que vous vous êtes déjà parlé de quelque chose. Peut-être que vous ne voulez pas nous le dire maintenant. Mais, en tout cas, pour ma part, là, je peux vraiment pas répondre à cette question-là, parce que à une époque, c'était de faire un disque puis d'en vendre 14 millions... mais en même temps, quand tu t'analyses la vie des gens qui vendent 14 millions d'albums, puis tu te demandes, j'ai-tu le goût d'avoir cette vie-là? C'est différent. Fait que moi, encore une fois, là, j'essaie de travailler du mieux que je peux, d'écrire les meilleures chansons possibles pour moi, puis de voir où est-ce que ça peut nous mener. T'sais. C'est assez drôle parce que nos rêves communs sont assez simples. Nous, on serait heureux dans une hutte sur le bord d'une plage, comme on serait heureux... Sur le bord d'une plage, par exemple. Oui, c'est ça. Mais tant que l'esprit créatif et la complicité sont là... C'est ça qui est important. C'est qu'on a du fun à faire ce qu'on fait. Voilà. Merci pour ta générosité et ta pertinence. Tu n'avais aucune raison de t'inquiéter. C'était super intéressant. Merci. Retour avec toute l'équipe Mots de la fin dans quelques minutes. Et on parlera évidemment du prochain Centre Bell de Marimée. Restez là.